S'il vous plaît, soyez juste sympa. Pas de soucis, hier je te fais un check et je te bouffe le zizi. Voilà, oh, la gueule que j'ai avec ça. On dirait une mouche. Hey, comment ça va, petite sphère? C'est SNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de ne pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Romain Franklin, épisode 2. Sérieusement, j'ai pas le style avec ça. Je voulais voir à quoi je ressemblais en mouche. Bon, comme vous l'aurez compris, je suis en train de faire mon défi. Défi que j'ai d'ailleurs pris sur TikTok, car comme j'ai dit maintenant, je prends les défis aussi bien sur YouTube que sur les réseaux sociaux. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo. Alors, j'avais rigolé deux fois, donc j'ai deux défis à faire. Défi de NK. Ton défi, c'est de porter une casquette à l'envers et de porter des lunettes à l'envers. Alors j'ai une casquette et des lunettes. Alors pour rappeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec de l'eau dans la bouche et de ne pas rigoler. Sinon j'ai un défi à faire pour la prochaine vidéo. Et vous aussi vous pouvez jouer avec moi en faisant pareil, en me disant dans les commentaires combien de fois vous rigolez. Allez, c'est parti mes sphères. Bon, la pire classe de TikToker, le cours peut commencer. Avec vous, à chaque fois c'est le bazar. Alors j'espère qu'aujourd'hui, vous avez au moins fait vos devoirs. Je joue toute la nuit et je fais mes devoirs jamais, tu m'entends? Je step dessus. Bravo Badzer, vous avez gagné une heure de colle. Maël, rassurez-moi, vous les avez fait vous? Bah bien évidemment. J'ai l'impression que vous vous foutez de ma gueule. Bah bien évidemment. Très mature. J'en peux plus de cette classe, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez encore inventer pour m'embêter? Nolito, qu'est-ce que vous faites? Chez nous, les poissons sont rapides, les maçons sont... Le prochain qui fait une bêtise, je vous jure que ça va barder. Ta gueule, t'es faible. Non, Alizée, je ne suis pas faible. Et je vais pas me taire parce que vous me le demandez. Fais-le, sinon je te défonce, t'es mort. D'accord, je dis plus rien. T'es un garçon? J'ai plus de couilles que toi. Bon, maintenant, j'aimerais juste commencer mon cours, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait de mes stylos? Mais qu'est-ce que vous faites avec mes stylos? Que nenni, ce sont mes stylos, vieille pute. Bon, la pire classe de politicien, le cours peut commencer. Mais avant ça, monsieur le délégué, pourquoi à chaque fois que je donne cours dans cette classe, c'est le bordel? Parce que c'est notre projet! Et bah mon projet à moi, c'est que vous restiez calme. Alors le prochain qui veut parler, il lève le doigt. Oui Marine, on vous écoute. Nique ta mère. Très mature. Aujourd'hui, interrogation orale. Le premier à passer au tableau sera Éric Zemmour. Vous parlez du fasciste raciste accusé d'agression sexuelle? Monsieur Poutou, s'il vous plaît, ne commencez pas. Vous m'emmerdez, ok? Alors vous arrêtez de me harceler comme ça. Monsieur Zemmour a raison, le harcèlement scolaire c'est mal, monsieur Poutou. Je rajoute quand même un point à votre moyenne parce que vous avez pas totalement tort. Donc... Jeanne, au secours! Marine, s'il vous plaît, dites à votre père de rentrer chez lui, on ne veut pas de racisme dans cette école, il n'y en a pas. Monsieur Zemmour? Mélenchon, vous allez pas vous y mettre vous aussi. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. Non, Zemmour et Mélenchon, rasseyez-vous, ne vous battez pas. Ah, vous m'emmerdez. Vous ne me touchez pas. Bon, la pire classe de France, le cours peut commencer. Avec vous, c'est toujours le bazar. Alors, est-ce que aujourd'hui, s'il vous plaît, vous pouvez rester respectueux? Dans ton cul, connard! Ferme ta gueule! Je sens que ça va être dur. Vous êtes la pire classe de France. Vous voulez pas juste rester calme? Message de la France, non. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Je vais faire l'appel. Répondez juste présent. Vald. Nique ta mère. Très mature. Le prochain qui insulte ma maman, ça va mal aller. Elle nique la sœur de la mère de ta cousine. Bon, ça va. Attendez quoi? Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous foutez sur un ours? Ah, mon élève préféré, Clara Morgan. Salut, ça va? Eh ben oui, ça va. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, je vais à la salle. Voilà, je pousse pas mal la fonte. J'ai appris que vous sortiez plus avec votre camarade Will Smith. Est-ce que ça voudrait dire que... Non mais oh, se calme hein. Tout ce temps que vous êtes, sauf toi Clara, vous êtes collé à vie. Je crois que tu veux goûter mal à... Non, lâchez-moi. Arrêtez, mais... Moi, je voulais juste être un bon professeur. Avoue que ce n'est pas une réussite. Le cours peut commencer. Juste avant, Pidi, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous mettez le bazar à chacun de mes cours? Vous me saoulez, franchement, vous me saoulez. Vous me faites péter un plomb. Ah, parce que je vous saoule? Très bien, donnez-moi votre carnet. Attention les gros mots. Non mais sérieusement Pidi, vous faites exprès de m'énerver. Vous comptez me tenir tête combien de temps encore? Matin, midi, soir. Très mature. Arrêtez tout de suite. Non mais vous êtes une zinzin, je vous envoie chez la principale. Non mais attends, mais je rêve là, mais attends, mais... Mais rien du tout, Valouz viendra pas vous sauver cette fois. Je suis suivi par quand même pas mal de monde, hein, ok. C'est une menace. C'est qui les boss? C'est nous les boss? Oh, pour là c'est bresson.
Le cours peut commencer, mais avant ça, Kameto, vous êtes un élève extrêmement perturbateur. Alors aujourd'hui, j'ai pas intérêt à vous entendre. Je m'en bats les couilles, frère. Je rêve ou vous vous foutez de ma gueule? Voilà, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Attention, Kameto, ça va mal finir, je plaisante pas. Vas-y, me parle pas, frère. Parle, on va t'allumer, crois pas, on rigole, frère. Voilà, il est fou. Eh bah, très bien, je vais appeler le surveillant, il va vous virer de la classe. On ramène qui tu veux, on va vous allumer vos grand-mères, on va pas bouger d'ici, c'est des ouf. Eh bah voilà, très bonne nouvelle. Kameto, préparez vos affaires. Le surveillant arrive, vous allez dégager. Je suis le roi des fils de pute si je bouge. Très bien, monsieur le roi. Le professeur a un message pour vous. Vous êtes viré. Message de la France? Non. Message de la France? Non, mais attendez, vous vous prenez pour qui? Les autres, pourquoi vous vous levez? Kameto, dites à vos camarades de se rasseoir. Attaquez! Attaquez! Emportez tout! On a gagné! Le cours peut commencer, mais avant ça, Ophénia, à chaque fois, vous mettez le bazar en classe avec vos réflexions. Alors aujourd'hui, vous parlez seulement si vous avez quelque chose d'intelligent à dire sur le cours. On se fait chier? Très mature. Si vous continuez à rire, je vous mets une heure de colle. Ah, ça m'a fait rire. Mais du coup, tant pis, hein, oh là là. Eh bah, si c'est tant pis, donnez-moi votre carnet. Non, ça c'est trop. Non, ma vie, c'est trop. Non, c'est pas trop, je vous avais prévenu. Non, non, moi, clairement, clairement, c'est en train de me saouler. Là, c'est en train de me faner. Je m'en fous que vous soyez fané. Vous allez me faire quoi? Ah, bah alors là, c'est super simple. Quand vous prenez votre marteau, je suis pas rassuré. J'ai pas les mots, c'est abominable. Alors là, n'importe quoi, je suis pas si moche que ça. Même si mon ex-femme disait la même chose. Non, mais arrêtez, je suis pas si moche que ça, si. Pourquoi vous vous marrez? On va être bien sûr que vous regrettez jusque dans votre slip. Bon, les youtubeurs, le cours peut commencer. La dernière fois que je vous ai eu en classe, vous avez foutu le bazar. Alors aujourd'hui, vous avez intérêt à rester calme. Aujourd'hui, on casse tout. Michou, rasseyez-vous. Non, pas du tout. Non, mais pas de problème. Ne suivez pas l'exemple de Michou. Si je comprends bien, vous allez encore tous foutre le bordel. Ben ouais, logique. Merci Mohamed. Maintenant, si quelqu'un veut parler, il demande la parole poliment et calmement. Je peux parler. Ouais. Inoxtag, c'est absolument tout le contraire de ce que je viens de dire. Vous voulez me rendre fou ou quoi? Arrêtez avec cette blague. C'est la 100e fois que vous la faites. Ça fait beaucoup là, non? Exactement, Mister V. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. S'il vous plaît, soyez juste sympa. Pas de soucis, hier je te fais un check et je te bouffe le zizi. Waouh. Ah, je vous avoue, je m'attendais pas à celle-là. C'est quoi cette réponse? Dites-moi dans les commentaires, mes sphères, si vous avez déjà rigolé. S'il vous plaît, soyez juste sympa. Pas de soucis, hier je te fais un check et je te bouffe le zizi. Merci Mastu, mais là c'est un petit peu trop sympa. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi tous, j'ai une seule question à vous poser. Pourquoi? Exactement, Cyprien. Pourquoi vous me faites tous la misère tout le temps? Parce que t'es con, voilà pourquoi. La pire classe de super-héros, le cours peut commencer. Aujourd'hui, vous avez intérêt à rester calme. Oubliez pas que j'ai pronote. Nous, on a un Hulk. Je m'en fous, monsieur Stark. Moi, j'ai un super délégué. Dites-leur. Je suis Batman. Exactement. Je suis Batman. Oui, on a compris, merci. Je suis Batman. Oui, bon bah c'est bon maintenant, vous êtes pire que Groot. Je fais l'appel et vous répondez présent. Deadpool, pourquoi vous répondez pas quand je vous parle? J'entends rien entre la queue dans ta bouche et l'apitoiement qui t'étouffe. Très mature. Harley Quinn. Mademoiselle Quinn, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Ben quoi? Eh ben vous voyez bien que vous perturbez les autres élèves. Regardez Izuku. Et même moi d'ailleurs, hein, j'ai un début d'érection. Quelqu'un, un stylo, Spider-Man, c'est pas possible, vous oubliez toujours vos affaires. Tenez, prenez le mien. Vous pouvez me tenir ça 2 secondes? Merci. Ah, faites-moi descendre de ce plafond. C'est pas marrant, faites-moi descendre tout de suite. Le prochain qui me fait un coup pareil, il va avoir affaire à moi. Dans cette classe, je suis votre professeur. Je suis comme un dieu. Est-ce que tout le monde a bien compris? Mi-temps mes sphères. Bon, j'ai rigolé une fois. En même temps, franchement, la réponse, je m'attendais pas. Sinon, il y a un passage qui m'a fait exploser de rire. C'est avec les politiciens. Tu vois, ils sont tous en train de s'embrouiller, se prendre la tête. Et à la fin, tranquille. C'est bon. Tu veux une banane? Franchement, c'est sûr ce passage, vous avez rigolé. Dites-moi dans les commentaires quel passage vous a fait rire. Le cours peut commencer. Je vois que Vladimir Poutine n'est pas là aujourd'hui. Tant mieux. Il est taré, cet élève. La dernière fois, il est venu à cheval. Oh bordel de merde. Vladimir, pourquoi vous êtes venu sur un ours? Vous avez присягу на верность украинскому народу. Vous allez venir comment la prochaine fois? Sur un dauphin? Mais d'où vous sortez tous ces animaux? Aujourd'hui, on va commencer par réviser la leçon de la semaine dernière. Qui s'en rappelle? При этом в наши планы не входит оккупация Украины. Eh ben, je vous écoute. Où s'est passée exactement la guerre de 100 ans? Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. Très mature.
то ответ России будет незамедлительным. Vous êtes extrêmement stupide et vous allez extrêmement être collé. Проживающий на территории сегодняшней Украины. Le coup de la bombe nucléaire, vous me le faites à chaque fois que vous êtes vexé. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que vous avez un micro-pénis qu'il faut faire exploser le monde entier. Si vous voulez vous battre, j'ai deux élèves qui peuvent vous défoncer. Ziak. Ça c'est des vrais couteaux. Et Teka. Oh là, si tu te manges pas un coup de coude dans tes dents, je m'appelle pas Jaoué. Bon, les jeunes, le cours peut commencer. Voxiak est pas là aujourd'hui, tant mieux. À chaque fois, il fout le bordel. Pourquoi vous avez défoncé la porte? Castardant la porte, c'est des vrais couteaux. Vous connaissez le concept de la poignée? Maintenant, asseyez-vous et sortez vos affaires. Ça, c'est des vrais couteaux. Vos affaires décollent. Et pourquoi vous avez toujours des couteaux sur vous, d'ailleurs? Vous faites quoi avec? Je fais les dingueries des films X. D'accord. C'est juste que je m'attendais pas à cette réponse. Aujourd'hui, interrogation orale sur le livre Roméo et Juliette que je vous avais donné à lire le mois dernier. Premier élève interrogé, Ziak. Pouvez-vous me dire quels sont les premiers mots que Roméo adresse à Juliette? J'aime bien quand tu me suces la bite. Très mature. Vous êtes fier de vous, Ziak? Plus personne m'écoute. Bâtard, personne veut être à ta place. Ziak, qu'est-ce que vous faites? 1, 2, 3 soleil, 1, 2, 3 soleil. J'aurais vous jouer 1, 2, 3 soleil avec vos camarades. 1, 2, 3 soleil, gros, y'a aucune, c'est plus qui bouge. À partir de maintenant, tout le monde est interdit de jouer 1, 2, 3 soleil. Mais bordel, mais j'ai le droit! Non, Sardoche, vous n'avez pas le droit. Faut arrêter de suivre Ziak dans toutes ces bêtises. Ziak, s'il vous plaît, il faut quoi pour que vous soyez calme? Libérez tous mes copains. Ça va être l'enfer. Bon, la pire classe de France, le cours peut commencer. S'il vous plaît, aujourd'hui c'est très important, essayez de rester calme. À force de vous donner cours, je suis à deux doigts de faire une dépression. Oh merde! Oh, c'est con ça! Merci Philippe. Je fais l'appel et vous répondez juste présent. Apparemment, on a un nouveau Dark Vador. Je le sens pas celui-là. Groot. Je s'appelle Groot. Je prends ça pour un présent. Kobalade. Kobalade, pourquoi vous me répondez pas quand je vous parle? En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Au moins, ça a le mérite d'être franc. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Non, merci, Nicolas. Dérangez ce karcher, enfin. Ça va être très simple. Je vais tous vous coller. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? J'ai l'impression que dans cette classe, vous êtes tous des grands malades. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. J'adore ces filtres, sérieux. Alors, quel président je serais? Je serais cool, je pense. Mais non. Bon, et bah toi qui regardes ce TikTok, au goulag, tout de suite. Le cours peut commencer. Avant ça, j'aimerais m'adresser au pire élève de la classe, Monsieur Poff. À chaque cours, vous êtes vulgaire et irrespectueux. Alors aujourd'hui, vous avez intérêt à me respecter. Toi ta gueule. Je viens de vous dire de ne pas être vulgaire. Ferme ton caquet. Je rêve ou vous venez de me redire ferme ta gueule, mais poliment? Face de fiante. Eh ben la face de fiante, elle va vous envoyer en hors de colle à grands coups de pied au cul. Ça vous donnera un peu d'élan. Si j'en étais là, de ce totalitarisme, de cette barbarie que vous m'infligez au quotidien, à respecter vos règles qui ne me... correspondent point. Si vous êtes pas content, j'appelle vos parents et ils viennent vous chercher. Retire tout de suite ce que tu as dit. Et vous allez me faire quoi sinon? La guerre est déclarée. Vous croyez que vous me faites peur avec votre théière? Depuis quand vous avez une épée? Tu veux que je l'utilise pour trancher la tête des gueux osant provoquer son Altesse Sérénissime? Non mais attendez, calmez-vous, parce que moi, à la base, ce que je voulais dire... Maintenant, dégarpez. Le cours peut commencer. Avant ça, je vais m'entretenir avec la pire élève de la classe. Elsa Bois, bonjour. Commencez pas à jouer l'élève toute gentille, vous mettez le bazar à chacun de mes cours. Aujourd'hui, je vous colle à la première bêtise. Et je suis très sérieux, regardez-moi bien. Oh, le déchet. Très mature. Et ben, moi, ce qui me fait rire, c'est que vous allez prendre une heure de colle. Alors non, du coup. Donnez-moi votre carnet, je vous avais prévenu. Elsa, revenez ici tout de suite. Non, ne grimpez pas sur le bureau de vos camarades, vous allez vous faire mal. On appelle ça le karma. Vous avez gagné une bosse et 3 heures de colle. Ding dong. Supreme groupe. Quoi? Supprime, c'est moi qui te supprime là! D'accord, je lui enlève les heures de colle, Bon, les jeunes, le cours peut commencer. Mastu, vous êtes l'élève le plus malaisant que j'ai jamais eu de ma vie. Alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir et aujourd'hui, restez calme. Pas de soucis, moi je te fais un check et je te bouffe le zizi. Non merci, juste s'il vous plaît, soyez normal. Je suis là, tu peux compter sur moi, je te mettrai mon gros doigt. Arrêtez de me prendre pour votre copain, personne ne me met de doigt, d'accord? Quoi? Pourquoi vous me fixez comme ça? Vous avez quelque chose à dire? Très mature. Et pourquoi vous êtes à moitié avachi sur votre chaise? Rasseyez-vous normalement. Genre là, je me masturbe et personne voit quoi. Rassurez-moi, c'est une blague.
Vous venez de jouir ? Merci. C'est un malade cet élève. À partir de maintenant, vous êtes interdit de parler. Ma mère m'a dit un truc il y a 2 ans, je veux juste confirmer avec vous. Quoi ? Elle vous a dit quoi, votre maman ? Moi, pour Noël, je lui ai demandé un drac au feu, et elle m'a dit, Théo, les Pokémon n'existent pas, t'sais. Donc ça m'a un peu énervé, donc j'ai agi en conséquence, quoi. En conséquence, c'est-à-dire ? J'ai tué ma mère. Bon, la pire classe de France, le cours peut commencer. Avec vous, c'est toujours le bazar. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rester calme ? Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Ça va être... Je vais faire l'appel. En attendant, sortez vos affaires. Baxer ! J'ai oublié mon sac. Maintenant, dans cette classe, vous faites même plus semblant de travailler. Je compte reprendre le contrôle. Non, merci. Vous êtes zéro comme délégué. Apparemment, une nouvelle, je savais pas. Miyako Efa. Enchanté. Comment ça va, vous ? Parce que moi, ça va. Hein. Je suis divorcé depuis pas très longtemps. Et Concentre-toi ! Oui, Sardoche, vous avez raison. Des fois, le professeur aussi fait des erreurs. Je reprends. Je reprends. Thanos. Bientôt. Vous apprendrez ce que ça fait de perdre. Si vous êtes énervé par rapport à l'heure de colle d'hier, je peux l'enlever, hein, mais ne claquez pas des doigts. C'est pas bien de tuer les gens, parce que après ils sont morts. Écoutez Big Flo, il a raison. Aujourd'hui, on casse tout. Non, n'écoutez pas Michou, n'écoutez pas Michou. Les jeunes, le cours peut commencer. Mais avant ça, Maël, vous êtes le pire élève de la classe. Alors est-ce que, s'il vous plaît, aujourd'hui, vous pouvez rester calme ? Bah bien évidemment. Merci. Qui a une question à propos de la leçon d'hier ? Allez-y, Maël, on vous écoute. C'était comment, ta première fois ? Très mature. Vous vous foutez de ma gueule, c'est ça ? Vous allez pas du tout être calme ? Oui, c'est totalement ça, en plus. Un conseil, arrêtez de vous la péter parce que vous êtes un peu mignon. Sérieux, vous êtes pas si beau que ça, hein ? Tu sais, aujourd'hui, j'ai reçu 450 DM et je les ai même pas lus. 450 ? Mais j'en ai jamais reçu autant de toute ma vie. Ouais, t'es jaloux, quoi. Vous croyez que je suis jaloux de vous parce que vous êtes drôle, jeune, beau gosse, des bouclettes saillantes et vous perdez pas vos cheveux. Ici, il y a mes deux pecs et là, c'est mes abdos. Il y en a un, deux... Merci, on a compris, rhabillez-vous. Non, mais n'enlevez pas votre pantalon. Attendez, je rêve, vous avez des abdos même sur vos cuisses. D'autres élèves, rassurez-moi, moi aussi, je suis beau, non ? Par exemple, quand je me mets comme ça, là, quand je me mets comme ça, vous vous dites quoi ? On se fait chier. Merci au fait pour cette intervention. De rien. Voilà mes sphères, c'est terminé. J'ai rigolé une fois. Alors proposez-moi le plus de défis possible dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Champion sphère.